les clients pensaient que non, c'est demain vendredi que va venir beaucoup. Ça va commencer pour aujourd'hui avec demain. Parce que bon, souvent on n'est pas là pour payer ça pour aller garder. Les voleurs avec tout et tout, bon, ils aiment pour laisser ça demain, comme le fait samedi, vendredi, il sera prêt maintenant pour sortir beaucoup, pour payer. Nous aussi, on est prêt pour l'attendre seulement, pour vendre, pour avoir retourné à la maison. Le prix, ça dépend. On a des moutons de 75 000, on a pour 300 et quelques. Bon, tout ça dépend de façon qu'ils ont venu choisir. Si on choisit petit, c'est le prix des petits qu'on va faire. Si c'est gros aussi, c'est l'argent de gros qu'on va parler. Bon, des fois, les clients, on ne peut pas savoir cette année s'ils vont venir bien quoi. Parce qu'il y a certains ans, si ce n'est pas jour de la veille, ils ne viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'endroit pour garder le mouton. Bon, depuis matin, je n'ai pas encore vendu rien d'abord pour le moment. Le prix valait, c'est le mouton de 180, de 180 à 160. Les clients ne sont pas venus comme l'année passée. Jusqu'à présent, on n'a pas vu aucune bousculation comme l'année passée. Là. Oui, la fête de Tabasco, notre mouton, quand on a amené, les clients viennent un peu. Et c'est avant-veille et veille qu'on vend correctement. Et c'est ça qui a laissé que maintenant, les gens disent qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas faire le marché. Quoi. Donc comme ça, on n'est pas encore comprendre. Oui, les clients viennent. Quoi. J'ai vendu moi, plus de 25 comme ça. Il y a des 400, 350, 300... 250, jusqu'à 150 et 130 encore. En temps normal, c'est aujourd'hui et demain que les gens doivent venir voir vendre beaucoup. Et ça qui a laissé que, même si vous avez vu sur le terrain là, les gens sont nombreux. Et c'est maintenant qu'on veut vendre. Et maintenant, les gens, ils ont dit qu'on est plus cressé encore.